C'est au colonel Passy que j'ai demandé aujourd'hui de venir parler avec moi, avec nous. Le colonel Passy, beaucoup d'entre vous le connaissent, soit qu'ils aient vécu cette époque, c'est-à-dire celle de la résistance française, soit qu'ils aient tout simplement lu les livres d'histoire dans lesquels son nom figure. Le colonel Passy était le chef des services de renseignement et d'action des forces françaises libres. Il était directement sous les ordres du général de Gaulle, dont il a été l'un des principaux collaborateurs. C'est un des grands noms de la résistance. Jeune officier de l'armée française, il est parti pour Londres dès le 18 juin 1940. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir entendu l'appel du général de Gaulle, il était là, volontaire, et il a continué de l'être pendant toute la guerre, puisque c'est lui qui a dirigé l'action, les parachutages, les armes, les liaisons de toutes sortes, la préparation du débarquement avec la résistance. Bref, j'étais très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui, vraiment très heureux, le colonel Passy, car je l'ai connu moi-même à Londres en 1943. Et son témoignage aujourd'hui est pour moi fort important. D'autre part, Christine Cotin, journaliste à l'Unité, hebdomadaire du Parti Socialiste, a bien voulu, une fois de plus, animer ce débat, et je pense qu'il lui appartient maintenant d'intervenir. L'important de cette rencontre, c'est bien sûr la présence ici du colonel Passy, mais j'ai deux ou trois points d'actualité sur lesquels j'aimerais revenir. François Mitterrand, vous l'avez toujours dit, élu à la présidence de la République, vous dissolvez l'Assemblée nationale pour avoir une autre majorité. Ma première question est donc, quand auront lieu ces élections législatives ? Ces élections législatives, elles auront lieu avant l'été, c'est-à-dire dans le courant du mois de juin, avant le 1er juillet en tout cas. J'ai là le texte de la Constitution, article 12. Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus tard après la dissolution. Je prendrai mes fonctions, si je suis élu, à partir du 24 ou du 25 mai, ce qui veut dire que j'ai parfaitement le temps de mettre en place les institutions, élections législatives, réunion de la nouvelle Assemblée, dans le délai que je viens d'indiquer. On pourrait dire un mois c'est long, cela a été dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mois-là qui sera au demeurant fort bien employé par le gouvernement auprès du temps perdu depuis 7 ans. Quelles mesures votre gouvernement pourra-t-il prendre immédiatement ? Je ne vais pas vous en donner la liste. Ce gouvernement, ce sera le gouvernement de la République. Il aura tous les pouvoirs que reconnaît au gouvernement de la République la Constitution. C'est ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire. Il pourra agir sur le plan du SMIC après consultation des organisations syndicales, des partenaires sociaux, les allocations familiales, l'augmentation, l'allocation logement, le minimum vieillesse, que sais-je encore, ainsi que bon nombre de décisions économiques d'importance. C'est tout simplement la Constitution que je compte appliquer, la loi. Il y a deux problèmes ponctuels sur lesquels il me semble qu'on pourrait revenir, c'est les nationalisations. Il paraît que vous voulez nationaliser 50% de l'économie française. Non, 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 tout cela, ça n'existe pas. J'ai dit nationaliser les banques, ce qui reste des banques, car les grandes banques sont déjà nationalisées depuis 1945. Et je tiens à préciser que je ne veux pas nationaliser les banques mutuelles. Ça, c'est un article fondamental de mon programme. Les banques mutuelles continueront d'exercer leur activité tout à fait normalement. Mais les nationalisations industrielles seront au nombre, je crois, de 11. Le monopole, tout simplement, ou les grands groupes industriels qui ont tendance à devenir des monopoles dans des secteurs clés de l'économie. C'est-à-dire, en somme, la concurrence a été détruite, et une famille, une personne, un petit groupe de personnes sont les maîtres du terrain. Ce n'est pas raisonnable. En réalité, aujourd'hui, les nationalisations représentent 12% de la production. Elles représenteront, après les mesures que je prendrai, 17%. Tout ce que je veux dire sur ce point, l'immense majorité des entreprises sera privée et le secteur public aura précisément pour mission de veiller à ce que se développent dans le secteur privé toutes les initiatives possibles et en particulier les petites et moyennes entreprises. Vous avez annoncé une réforme des droits de succession et beaucoup de Français ont l'impression que vous voulez vous attaquer à leur patrimoine. Est-ce que vous pouvez expliquer ? Comment est-ce que je m'y attaquerai ? Il s'agit d'une proposition claire et précise. Je veux alléger l'impôt sur les petites successions par le doublement de tous les abattements à la base.
m'attaque pas au patrimoine, je le soulage. Mais bien entendu, comme il faut qu'il y ait l'équilibre des finances publiques, j'augmenterai, je demanderai, en somme, que l'on augmente l'impôt sur les très grandes successions. Je rétablis, en somme, je répartis mieux la richesse de la France. Mais cela se place au-delà de 3 millions de francs, c'est-à-dire de 300 millions de centimes, et dans les conditions que j'ai dites, c'est-à-dire compte non tenu de l'outil de travail, en particulier le sol pour les agriculteurs. Colonel Passy, François Mitterrand l'a rappelé, vous êtes une grande figure de la résistance, vous êtes un gaulliste de la première heure, vous êtes compagnon de la libération. Est-ce qu'il n'est pas contradictoire de vous trouver ici aux côtés de François Mitterrand? Non, il ne peut pas être contradictoire quand je me rappelle que la première formation politique qui s'est recréée clandestinement en France en 1940 a été le Comité d'Action Socialiste sous l'impulsion de Daniel Mayer et de Gaston Defferre. Et que elle n'a pas cessé, dès ce moment, de nous apporter le maximum de son concours. Donc, je ne vois pas pourquoi le Parti Socialiste n'aurait pas, je ne pourrais pas, en tant que gaulliste, adhérer aux thèses du Parti Socialiste aujourd'hui. Deuxièmement, après le Parti Socialiste, des communistes ont rejoint, et ce n'est que plus tard que la bourgeoisie elle-même, après 1942, dans sa grande essence, a rejoint. Donc je suis tout à fait libre de penser, et il est normal que parmi tous les camarades que nous avons eus en 40, on puisse aujourd'hui recréer cet état d'esprit que nous avons connu lors des combats de la résistance et de la libération. Mais aujourd'hui, vous êtes en présence de deux candidats à la présidence de la République et vous avez fait un choix très clair en faveur de François Mitterrand. Pourquoi ? J'ai fait un choix très clair parce que j'ai bien écouté, sans appartenir moi-même à aucune formation politique, et je n'en ai jamais appartenu à aucune, j'ai écouté. Et je me suis aperçu que M. Giscard d'Estaing, depuis son septennat, n'a pas cessé soit de se tromper, soit de nous tromper. Et il suffit de regarder ses déclarations, elles font foi. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi j'aurais plus de raisons de croire aujourd'hui en lui, alors qu'il a démontré qu'il se trompait. Par contre, ayant fait la connaissance de François Mitterrand à Londres, comme il me l'a déclaré tout à l'heure, il me l'a expliqué tout à l'heure, j'ai pu apprécier ses qualités de courage, ses qualités de volonté et le souci qu'il a toujours manifesté pour la défense des libertés. Et c'est pour ça, si vous voulez, que je considère qu'aujourd'hui, la France ayant un impérieux besoin de changer, un impérieux besoin d'avoir quelque chose de neuf, j'apporte ma confiance la plus totale à François Mitterrand et j'espère que la plupart des Français pourront se rassembler derrière lui pour qu'il nous amène enfin quelque chose de nouveau et de revigorant. À quoi est-ce que nous avons travaillé, permettez-moi d'intervenir, à quoi est-ce que nous avons travaillé dans ces moments que nous venons d'évoquer? 1943 sont des souvenirs qui paraîtront bien anciens, un certain nombre de ceux qui nous écoutent et qui sont des jeunes gens, mais tout de même, ça fait partie de notre histoire. On a travaillé à reconquérir l'indépendance de la France, à reconstruire toutes les données de sa grandeur. Et à cette époque, les divisions politiques d'aujourd'hui, elles existaient déjà, mais au moins on avait ce point commun. On avait ce point commun, on était décidés à se battre, c'était pas toujours très facile, c'était même souvent très difficile. C'est-à-dire qu'on se battait contre vents et marées. De ce point de vue, je dois dire, quand on était aux côtés du général de Gaulle à l'époque, on avait quand même bien un peu le droit, ce qui était mon cas, dans les combats de la paix civile, de ne pas être d'accord avec un certain nombre de ses positions. Je veux dire, j'ai toujours, à cette époque-là, combattu de face, mais je n'oublie jamais qu'au moment difficile de la guerre, nous étions dans le même camp. C'est pourquoi votre témoignage, cher colonel Passy, est pour moi très précieux, je dois le dire. Il est très précieux, parce qu'il représente toute une part de notre histoire. Et je voudrais, aujourd'hui, demain, élu président de la République, m'engager dans une tâche du même ordre, disons comparable, toutes choses étant égales. Il s'agit de la paix, mais nous sommes en crise. Nous avons rassemblé, en 1940, les volontaires de la Renaissance nationale. Il convient de les rassembler au mois de mai 1981, les volontaires du redressement de la Renaissance nationale. Je les appelle encore ce soir à venir à moi.